l'image des grands championnats de football européens, le concours de la chanson Eurovision a son Big Five, son 5 majeurs. Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni et France sont qualifiés d'office pour la finale du 14 mai, aux côtés de 20 autres nations. L'Espagne sera représentée par Lucía Pérez, qui a déjà 4 albums à son actif. Et après 13 années d'absence et de bouderie, l'Italie fait son retour avec Raphaël Gualazzi, pas le genre de candidat à susciter la polémique. Je vois cela simplement comme une belle opportunité de faire de la bonne musique et probablement d'apprendre quelque chose au contact d'autres musiciens. Moins modestes, les Britanniques du boys band Blue tentent un comeback sur le thème obamesque « I can », « Je peux ». Il faut dire qu'ils affichent une solide carte de visite fort de leurs 13 millions d'albums vendus entre 2001 et 2005. Alors voilà, c'est un peu avec l'ego de leur certitude qu'ils abordent la chose. Pour nous, c'est une immense opportunité. On a toujours été fans de l'Eurovision et je crois que quand on est allé un peu partout en Europe, tout le monde a été assez surpris de voir que pour une fois, le Royaume-Uni prend les choses sérieusement. Oui, mais il y a Lena, mise en orbite l'année dernière avec Satellite. La jeune Allemande défendra son bien avec un nouveau titre, Taken by a Stranger. Et a priori, Lena, la pression, elle connaît pas. Je ne veux pas penser à gagner ou à ne pas gagner. J'essaie juste très fort de me surprendre. Et puis, la France sera représentée par un jeune ténor de 21 ans, Amaury Vassili, qui chantera en langue corse. A priori, le favori des bookmakers, c'est lui. Pour la France, c'est fantastique d'être favori puisqu'on ne l'a pas été depuis 15 ans. Donc ça donne de la motivation supplémentaire pour espérer gagner. 120 millions de téléspectateurs sont attendus. Certes, c'est beaucoup moins que pour le mariage de l'autre jour, mais quand même, cela prouve que le kitsch et l'extravagance de ce télécrochet géant ont encore de beaux jours devant eux.